Bonjour. Bonjour. Il y a quoi dans le Canton? Il y a quoi dedans? Il y a écrit Tom à la fin. Tom. C'est quoi dedans? C'est comme légumes. Un ensemble de légumes avec des crevettes, tomates, coriandre, des arômes. D'accord. Moi, je mets ça juste pour les pâtes de poulet. C'est des vrais poulets. Ou c'est... Ça a pas vraiment l'air de poulet, quoi. On dirait plutôt du chien ou du singe. Non, non, c'est des vraies pâtes de poulet, monsieur. C'est des vraies pâtes de poulet, nous, quoi. Ah bah oui, j'ai plus chez nous. Ah ouais, c'est chez moi, madame. Hein. Je suis française. Vous êtes française? Bah oui, madame, je suis française. Depuis quand vous êtes française? Et vous, madame? Hein? Ah, on vous le demande, à vous? Bah, vous pouvez me le demander. J'ai pas l'air autre chose, il me semble, à moi. Hein? C'est juste raciste. On doit vous tuer. Vous êtes mauvais. Très mauvais. Le peuple le plus mauvais au monde, c'est les Blancs. Vous savez comment vous nous avez vendus? Vous, les Blancs, vous pensiez que vous étiez les plus forts. Aujourd'hui, on comprend votre langue. On va vous tuer doucement. Que si on se coupe, ben, on a tous du sang rouge et que voilà, ça se fait pas envers la personne. Oui, des noirs, oui, des si, oui, des ça. Ben, enfin, franchement, personnellement, ça se fait pas. Moi, j'aimerais pas qu'on m'insulte. Enfin, moi, j'aimerais bien que la personne qui insulte se mette à la place de la personne qui reçoit les insultes et qu'elle se dise, ben non, ça se fait pas. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a vraiment pas de respect envers l'autre personne. Et enfin, ça se fait pas. Parce que la personne, elle reçoit toutes les insultes et ça lui fait du mal, alors qu'elle n'a rien fait pour avoir ça, c'est pas vraiment sa faute. La discrimination envers une personne d'une autre ethnie, que ce soit des Arabes, des Noirs, des Flamands, des Asiatiques. Voilà. La discrimination générale, que ce soit par des mots ou des gestes. Bah, moi je dirais que c'est à faire. Par contre, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Moi, perso, avant, ça me dérangeait, mais maintenant, chacun pense ce qu'il veut et on va pas aller commencer à attirer les gens pour ce qu'ils veulent. Moi, une fois, j'en avais parlé à un prêtre et il m'a dit que, même si on a une couleur de peau différente, si on prend une prise de sang, notre sang, il est rouge. Donc, ça change rien. Alors, selon moi, le racisme, c'est un sentiment qui n'a pas lieu d'être, une pensée qui n'a pas lieu d'être. Parce que, par définition, le racisme, c'est faire une différence entre les races, la peur de l'autre, alors que, avant de se dire que je suis belge, je suis français, je suis allemand, je suis marocain, je suis algérien, on est avant tout citoyen du monde, qui est une race commune avant d'aller dans les particularités de la nationalité. Après, ils peuvent se sentir mal dans leur peau, ils peuvent se dire, bah voilà, zut, je suis noire, enfin, ils peuvent sentir ils peuvent être rejetés ou. Enfin, voilà. Moi, la personne qui avait ça, elle a tellement reçu une intention qu'elle faisait plus vraiment l'intention. Enfin, moi, pas personnellement, quand j'étais ma soeur, mais j'étais quand même touchée.
parce que c'était un stage et elle avait un sujet. Comme quoi après, t'as déjà mangé du chien et tout. Enfin, à un an, tu manges pas de chien.